Je me suis demandé si j'étais fou de me confronter avec un enjeu similaire, autant en plus qu'italien, à l'Opéra de Paris, sur un monument de la littérature française. Je dis, je dois probablement avoir eu quelques problèmes avec mon cerveau. Je voulais commencer par dire que Luca Francesconi, avec Guy Cassir, c'est Susanna Malchi, a eu un projet qui est vraiment très balzacien. Le texte de Balzac en sort plus puissant. Non seulement il résiste à cette entreprise de fragmentation, ce qui n'est peut-être pas le cas pour tous les auteurs. J'imagine mal prendre des bouts de Flaubert ou de Zola et de les mettre ensemble. J'ai appris tout ce que j'ai appris chez les grands compositeurs de ce siècle. Le grand défi, c'était, comme justement Guy, il était très clair, de se réemparer du récit. Et on a l'impression que Balzac a beaucoup de choses à dire sur notre société contemporaine. Déjà, le métaphore avec la musique qui est toujours dans l'instant. En même temps, c'est aussi un art qui est toujours en narration. Donc, on est toujours en train d'aller quelque part. Donc, déjà, on a dans la musique, déjà seul, on a une sorte de paradoxe. On a créé une certaine danse macabre, une nature morte, d'une société qui ne bouge plus, qui est en train de détruire soi-même. Et ce que j'aime aussi, en fait, il y a les réminiscences de 19e, il y a un petit ajout, il y a des côtés burlesques, il y a des références à Opéra Buffo, il y a le minimalisme de nos jours, plein de niveaux différents, et vraiment fascinant. Alors, quand je pense à l'opéra aujourd'hui, je ne pense pas à ça, je ne pense pas à une étiquette. Je pense à un lieu extraordinaire où on peut rassembler des forces extraordinaires, des forces polysensorielles. Je pense que le libretto et la musique de Luca offrent à toutes les autres disciplines une certaine liberté, parce que pour moi, le texte n'explique pas la musique et la musique n'explique pas ça. C'est une conversation entre les deux. La musique contemporaine, ce n'est pas un style qui était fondé pendant les années 50 et après utilisé, un genre. Non, qu'est-ce que tu fais? J'ai fait la musique contemporaine. Ce n'est pas un genre que tu vas au supermarché, tu regardes légumes, poissons, musique contemporaine. Ah, là, en même temps, est-ce que tu ne vois pas que la musique contemporaine à laquelle tu fais référence là, est aussi une sorte de société. Et donc, il faut quelqu'un qui se déchaîne et écrit la musique qu'il veut, comme toi. Oui, mais toujours, il y a le syndrome de l'abandon. Tu vois, je me sens un peu un orphelin. Je dis, ah, alors, si je ne suis plus un compositeur contemporain, qu'est-ce que je suis? Compositeur vivant, c'est mieux. L'avantage pour moi, c'est que je ne suis pas mort.